Et Donald Trump, il a gagné. Et les valises, vous les prenez. Dans nos pays, vous retournez. Et les latinas, elles vont quitter. Et l'espagnol, vous la prenez. Naré, naré, naré. Et ben, les latinas, elles vont quitter les États-Unis pour venir chez nous. Habla espagnola, si. Casillas, Pique, Barcelona, Madrista, Raslambras. Policia, via dormir via. Et voilà, Donald Trump, il a gagné les élections. Moi, il y a une chose que j'ai pas compris dans tout ça. C'est que tu trouves quelqu'un qui habite en Mali, ou là en Maroc, à Ouadzam, ou là en Algérie, ou là je sais pas où. Rien à voir avec les États-Unis. Et il te dit, putain, Donald Trump, il va nous niquer notre vie. Et bah, Donald Trump, d'où il te connaît, toi? Moi, il y a un truc qui me tue chez les États-Unis, c'est qu'ils adorent l'action. Dans le monde entier, il y a des élections. On n'entend jamais parler du monde. Mais une fois que ça se passe aux États-Unis, tout le monde est au courant. CNN, CFF. Les pages Facebook, les journaux. Kerima, le voisin de Kerima, le chien du voisin de Kerima, le copain du chien du voisin de Kerima. Oh, wow, 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 wow. Après, Donald Trump a été élu. Et personne n'est content. Mais moi, je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui disent, oui, mais nous, on voulait Hillary Clinton. Elle va dormir à la marva. Parce que le problème, c'est pas Donald Trump. Le problème, c'est pas Hillary Clinton. Le problème, c'est les États-Unis. Le problème, c'est avoir devant toi deux candidats. Le premier, il traite les musulmans de terroristes. Et la deuxième, elle a créé Daesh pour salir la réputation des musulmans. Et le problème, c'est qu'il faut choisir entre ces deux. C'est fou la vie quand même. On est obligé de choisir entre ces deux personnes. Moi, j'ai jamais compris ça. Le premier, il veut mettre tous les étrangers à l'étranger. Et la deuxième, il est parti bombarder les pays des étrangers. Et nous, on est toujours obligé de choisir. Et pour finir, j'ai envie de vous dire un truc. Les États-Unis, ils ont bombardé l'Irak, la Libye, la Syrie. Que ce soit Donald Trump ou Hillary Clinton, les États-Unis, ça reste les États-Unis. Et si tu crois vraiment que c'est le président qui contrôle les États-Unis, juste va dormir, va. Parce que t'as rien compris à la life. Donc bref, pour finir, conseil que je vais vous donner. Prenez soin de votre pays. Parce que les États-Unis vont tourner, 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 ils vont s'ennuyer, ils vont venir vous bombarder. Si vous trouvez du pétrole, cachez-le, les États-Unis arrivent.